Salut tout le monde, c'est Learn to Play et bienvenue sur un nouvel épisode de Black and White 2. Et aujourd'hui, on va continuer notre petite ville qui était en train de grandir toute seule. Hein, elle progresse, on est bien là, on commence à se développer plutôt pas mal. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Ah voilà, mes remparts sont terminés. Voilà, alors ici... ces idiots de Scandinave ils pourront tout simplement pas passer. Voilà, ici je vais ouvrir les portes pour que ces glandules là qui migrent, au lieu de faire tout le tour, eh ben ils puissent passer tout simplement par ici et pas voilà, hein, pas comme des teubés à faire tout le tour. Oh regardez-moi ça, regardez la beauté de l'eau, les reflets. C'est pas magnifique. Oui, il y a des petits bruits bizarres par contre dans l'eau. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va essayer de conquérir, si on a le temps, nos premières villes. Alors, je pensais à celle-là hein, en particulier, puisque elle possède du minerai. Bon, là, il y a, allez, 10 mecs, hein. Bon, c'est rien. Mais elle possède beaucoup de minerais, cette ville. Et ce serait un avantage économique à prendre sur eux. Et puis, si on a le temps, on fera aussi cette petite mission. Qui est plutôt marrante à faire, vous verrez. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais construire d'autres maisons. Voilà. Faut que notre population s'agrandisse. Et on va faire un petit truc horrible hein, pour commencer la vidéo. Mort? Ah, ma créature. Oh, elle a tué ce pauvre petit monsieur. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Hein? Regardez, elle commence déjà à avoir une houppette. Voilà, le mange. Elle commence à avoir une petite toupette là sur la tête, c'est assez mignon. D'ailleurs, on va lui enlever le rôle de récolteur. Hein. Moi, j'ai pas envie qu'elle fasse ça. Ah, bah, t'en la laisse. Ah! Va-t'en. Ouais, bon, ce système, des fois, bug un petit peu, hein, mais... Allez, va-t'en. C'est n'importe quoi. Je veux pas cette laisse. Ah là là, ce système de secouer la main pour enlever. Va-t'en. Va-t'en. Laisse de B2. Bon, décidément, ça a décidé de... Oh, qu'est-ce qu'elle fait, là? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle écarte les jambes. Ah, ben voilà. Purée. J'ai réussi à enlever cette fucking laisse. Qu'est-ce qu'ils veulent, alors? On va quand même regarder ce dont a besoin notre population. Elles veulent... Enfin, ils veulent plutôt des naissances... Pour ça, il faut des disciples reproducteurs. Alors toi, là, toi, tu m'as l'air parfait pour ça, toi. Voilà, et tu cries pas, s'il te plaît. Disciples reproducteurs. Ok. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Dégagez. Oh, vous êtes pas invités, vous. Merci, au revoir. Maniez-vous, parce que si eux, ils se ramènent et qu'ils rentrent, je suis un peu dans la merde. C'est pas pour dire, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Oh, je sais pas ce que j'ai fait. Faut que je pense à construire aussi ma garnison, parce que je vais avoir besoin de soldats. Pourquoi? Alors déjà, pourquoi il veut pas? Ah voilà, là tu veux. On va construire tout de suite une garnison. C'est où? C'est ici. À la fin, garnison. Ok. Et on va faire quelques emplettes. Ok, alors. Qu'est-ce qu'on va acheter? Oh. Ouais, on a compris. Impitoyable. Mais tiens. Ah, je me demande si c'est pas un petit clin d'œil à la chanson. Dallas, enfin voilà quoi. Là, on va fermer les portes. Ferme les portes, j'ai dit. Ah, c'est pas évident de faire ça en même temps que... Voilà. Et donc, je disais, on va acheter quelques petites choses pour notre ville. Alors, des lanternes déjà. Ça permettra d'éclairer la nuit, c'est plutôt joli. Ouais, je les accepte. Voilà, hop, comme j'ai fait dans les premiers épisodes. Qu'est-ce que je vais acheter d'autre? Alors, miracle de soins, ça m'intéresse. Hop là, on prend là des petites décorations. On va pas prendre ça. Auberge. Alors, l'auberge, à quoi elle sert? C'est tout simplement pour donner du prestige à votre ville et pour distraire la population. Donc, c'est plutôt utile. Un grenier, ça va augmenter la productivité de vos champs. Je prends. Prison, torture, niais. Ça c'est pour moi. Parce que je veux faire un peuple maléfique.
Et la torture, on pourra tout simplement mettre nos villageois dedans pour qu'ils souffrent. Et la prison, c'est la même chose. Ah là 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 là, décidément. Ici, garderie, une garnison d'archers. Puisqu'il y a plusieurs unités militaires, hein, faut savoir, dans Black and White 2, il y a les guerriers, les fantassins, les archers et les catapultes. Plus la créature, voilà, hein, si on la compte. Maison de retraite, non, 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 université. On va lui apprendre quelques pouvoirs à notre créature. Ici, on voit qu'on pourra améliorer ses rôles. Ici, qu'est-ce qu'elle peut faire? Ouais, elle deviendra plus dangereuse en combat, ouais. Là, on voit qu'on peut débloquer le miracle du feu. 60 000, c'est un peu cher. On va apprendre notre créature le pouvoir de la foudre. Voilà. 75 000, c'était cher, mais ça valait le coup. Maintenant, notre créature sera très puissante au combat. Voilà, et on va acheter la fosse de torture. Ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, calmez-vous. Et on va profiter de notre nouvelle auberge, enfin de notre nouvelle acquisition pour la construire. Ok, voilà. S'il dit ça, ça veut dire que il y a un autre peuple qui a migré, effectivement, et c'est lequel? Me dites pas que c'est lui. Non, alors c'est lequel? C'est quel village qui a migré là? Quel village? Ah, c'est lui. Oh là là là, toujours plus loin. Alors c'est ce village-là qui a migré. Oh, un mini Stone Age, c'est mignon. Ah, ici il y aura une mission aussi qu'on pourra faire. Ce sera assez sympa. Vous verrez. On est à combien là? On est à 6 minutes. Allez, à 10 minutes, on fait la mission là-bas. Si j'y repense, parce que je sens que je vais oublier. Dans pas longtemps. Non, qu'est-ce que tu fais? Oui, si tu veux, tu pourras construire, oui. Oui, parce que, hein, faut que tu me serves à quelque chose. Comme je disais d'habitude. Voilà, ici, là. Notre zone d'influence a grandi. On va pouvoir mettre. C'est où déjà pour les remparts? Parce qu'à chaque fois, je me gourre. J'arrive pas à savoir, bon. Mais oh, c'est pas possible. Porte. Porte, corps de garde, voilà. Ici, on va mettre une porte. Ok. Nickel. On va la relier. Non. Ah si, attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Mais c'est moche, ça. C'est pas. Bon, c'est pas exactement ce que je voulais faire. On va essayer de faire un truc. D'accord. On va essayer de faire un truc à peu près potable. Voilà. C'est parfait. Et on va relier. Voilà, c'est bon, c'est relié. Et comme ça, on va pouvoir ordonner à notre créature d'aller leur botter le cul. Voilà, tout simplement. C'est dit. Ok, une naissance, c'est parfait. Attention, c'est le moment de faire notre truc cruel, puisque je l'ai pas fait au début, je viens de m'en rendre compte. Alors, attention. Tu t'appelles comment, Christophe? Peter Yuen, 18. Attendez, j'ai bougé. Humeur quelconque, santé 11, tribu grec. Eh bien, mon petit Peter. Adieu. Oh, ça doit faire mal quand même. Quoi? J'ai une fontaine? Non, 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 je suis bon là, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Nous partageons avec nos maîtres aztèques la même haine pour les Grecs. Putain. Allez, trois d'un coup, je suis un fou. Ça me fait du mana. Et là, est-ce que mon aliment a baissé? Ah, il a beaucoup baissé. Attendez, on va en brûler un peu plus. Toi, t'es un Scandinave. Tu vas la flamme. Moi, je veux une flamme. Mal, mal, mal. Allez, encore un. Toi, désolé, je sais que t'avais une famille, mais adieu. Ah, voilà, j'ai une flamme. Vous voyez, le peuple crie, il n'est pas content. Il implore de la pitié. Il implore de la pitié. Je suis tellement cruel. Ah là là là. C'est dur quand même de faire le méchant, parce que t'as trop envie de les. Tu sais, d'arrêter, mais tu peux pas, parce que c'est tellement jouissif. Il voulait un moulin il y a 2 secondes. Oh! Moulin. Un grenier plutôt, oui, pardon. C'est un grenier et non un moulin. On va pouvoir augmenter de Il sera façon plus facile de considérable. nourrir la Voilà. population avec ce grenier. Voilà. Comme il vient de dire, le vieux. Et on va construire une fosse de torture. On va la mettre à côté des portes. Ok. Alors, bois, on va aider à la construire, comme ça, vous allez voir. Non, c'est pas ça. Jamais de la vie, je plante un arbre, moi. Oh! Moi, je suis un gros pollueur. Bon, bah. Peut-être pas à cette époque, mais. La population grecque ne cesse d'augmenter.
Ils se reproduisent comme des lapins. Effectivement. Oh, t'es mignonne, ma petite créature. Et on a atteint 150. 150 de population. Oh, ma petite créature, t'es toute mignonne. T'es toute mignonne. Est-ce que t'as mangé au moins? Ouais, je crois que t'as mangé. Alors. Ah, on a notre garnison, on va créer une armée. Faites glisser le drapeau d'armée. Voilà. Ah, une armée. Vos dégâts enragés, armée d'épée, boss. Je confirme. Le sang des Grecs abreuvera ses terres. Mais oui, et puis l'autre qui parle là depuis le début de ce royaume là, il commence à me casser les. Enfin voilà quoi. Je vais mettre quelques lanternes pour alors, comme ça, les Grecs que ma ville soit un petit peu jolie quoi. Ce qu'ils valent face aux armées scandinaves. Ouais, alors lui, on va aller lui déchirer la gueule. Et on est à 10 minutes. Comme j'avais promis, on va faire la mission. Les guerriers grecs ne on va sont faire pas la mission. On va faire la mission. Allez, c'est parti. Mission. En avant. Ok, ça va nous faire gagner des points d'offrande. Hey, je parie que des tonnes de secrets attendent d'être découverts par ici. Pourquoi ne pas cliquer sur les tombes histoire de voir ce qui se passe? Les tombes. Je suppose que c'est ça. Bon, il y a des vieux bruits. Alors, Oli le brave, mort en 402. Alors ça, c'est une petite énigme. Dufnial, roi des trolls, mort en 274. Snaebjorn, jamais prêt, mort en 422. Ne font qu'augmenter. Jerry Point de Pierre, mort en 399. Et. Pour lolo, c'est quoi ces noms? Podrecre, attrapeur de serre. Voilà. Voilà. Ah, voilà. Alors, c'est un ordre. À mon avis, c'est dans l'ordre croissant. Alors, toi, tu es mort, non? Bon, j'ai fait totalement au hasard. Je savais même plus à combien elle était. Voilà, ok, j'ai trouvé ça ici. Et enfin, celui-là, voilà. Ouh, que va-t-il se passer? Mais que va-t-il se passer? Déjà, un crâne. Bon, on devine un petit peu. Enfin, je suppose. Bon, on voit la mise en scène à la Black and White 2 avec des gros pixels partout. Parce qu'il n'y a que ça de vrai. Et regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Une superbe armée des morts. Eh ben voilà. Si c'est pas génial. Oh. Bon, il y a une tête chelou par contre. S'il te plaît, détourne le regard. Merci. Ok. Ben, ça nous fait des forces en plus. On demande que ça. Hein. Tu m'étonnes, Michel. Bon, alors. Branle-bas de combat. On va en profiter pour aller les exterminer, eux. Voilà, ils vont faire tout le chemin. En plus, ils se déplacent super vite, c'est super pratique. Hein. Bon, ils sont pas beaucoup. Oh, regardez, c'est beau. Des petites torches, vous voyez, ça éclaire, c'est magnifique. Et je vous avais pas montré le pouvoir de soin. Bon, je devrais pas le faire parce que ça va me donner. Ça va être gentil, mais enfin, ça va me donner du bien. Et ça va augmenter ma petite fontaine. Bon, je vous le montre juste pour vous faire plaisir. Voilà, c'est magnifique. C'était beau. Ça a rien fait en plus parce que personne n'était blessé. Est-ce que ma salle de torture est finie? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais attraper ce gros rocher. Voilà, alors salle de torture. Ça risque d'être assez drôle. Alors, trouvons celui qui servira de cobaye. Oh, toi, tu m'as l'air parfait, toi. Viens là. Regarde cette belle salle de torture. Oh, regarde-moi ça. Sacrifice. Ah, il y a de la fumée qui sort tellement t'étais maléfique. Allez, toi aussi. Voilà. Est-ce que ma flag m'augmente? Oh, bah elle augmente pas si vite que ça, finalement. J'aurais espéré. Il demande un peu de nourriture.
Tiens, c'est. On va se servir de. Oh, le pouvoir de l'eau. J'y crois pas, il en peut plus l'autre là. Ah ouais, il en peut plus, ouais, quand il voit de l'eau. Voilà, bon, par contre, je suis obligé de le finir. Voilà. Et on va leur filer de la bouffe. Parce que c'est vrai que ils en manquent. Ok, Terminé ce candidat, aux voilà. armes, les Bon, Grecs et s'approchent. on va, hop, on va aller botter le fion à ces espèces d'idiots qui sont là, et on va prendre notre créature, notre créature, notre créature. Viens là, viens là, viens là, viens là. Tu vas aller défoncer ces jolis monsieur. Vas-y. Fais-toi plaisir. Et là, on voit que nos morts-vivants arrivent. Ce massacre sera terrible. Qu'est-ce que tu fais là? Attends. Non, faut pas que je prenne la laisse récolteur, sinon ça va pas le faire. Oh! Oh! Parce que là, c'est pas normal, là, ils sont rentrés, je leur ai pas donné leur. Voilà, il y a toutes les troupes qui étaient stationnées devant chez moi, bah. Ah ma vache, attention, vous allez assister à un truc magnifique. Ah non, ah non, non, non. Ah, non. Mais en fait, créature, va là. Voilà. Eux, ils vont les neutraliser. Regardez-moi la beauté des combats dans ce jeu. Si c'est pas le mec qui vient de se faire égorger, regardez. Si c'est pas magnifique. Oh là là, le combo. Ah, notre créature qui se bat. Wouh, vas-y. Vas-y, Biquette. Tu peux le faire. Oh, le pouvoir de l'électricité. Magnifique. Elle les a tous déchirés. Vous voyez, hein, les pouvoirs sont vraiment très puissants. Et eux, ils se ramènent tranquille. Je vous ai libéré le passage. Ah, elle est vraiment. Elle est vraiment cruelle, notre vache. Elle fait beaucoup de dégâts. Et je peux pas ramasser les corps, dommage. Oui, parce qu'on peut, ramasser les corps dans le jeu. Oui, c'est super génial. Voilà, des immigrants, venez dans ma ville. Ok, vas-y. Si, 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 si. Mange un de leurs villageois, vas-y, fais-toi plaisir, ma petite vache. Vas-y, fais-toi plaisir. Et on est déjà à 17 minutes, c'est que ça passe vite. Bah écoutez, on va faire une nouvelle mission, hein. Je vais peut-être juste lancer des ordres de construction. Voilà, on va mettre quelques maisons. Ok. Bon, tu Ces veux pas. pitoyables survivants de Tant l'attaque pis. aztèque ne résisteront pas longtemps ici. Ok. Alors, on va faire la petite mission. Écoutez bien. Aidez-nous! Nous devons terminer notre mélange spécial. Envoyez ce tonneau à mon frère là-bas afin qu'il puisse ajouter ses ingrédients. Puis envoyez-le à mon autre frère sur l'île suivante. Il faut qu'il aille de l'un à l'autre dans l'ordre pour que l'on termine la préparation. Ok, à vos ordres. Wow, wow, wow. Et tenir chaud l'hiver. Pour pas faire sa composition, faudrait l'envoyer à mon frère. Ouais, ok. Ah oui, par contre, j'avais oublié, mais à chaque séquence, dès qu'on les croise, là, ces gus, là, bah, ils se mettent à chanter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement balancer le petit tonneau. Alors là, ça va être une épreuve d'agilité. Oh, headshot. Alors, est-ce que... Voilà! J'ai réussi. Bon, on s'y est pris à deux fois. Vas-y, fais-nous ta petite chanson là. Ouais, on voit bien l'alcoolique, hein. Pourquoi il chante pas? Bon. Le sous-titre s'est mis avant. Effectivement. Ok, alors son frère, il est où? Il est là-bas. Ok. Wow, 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 wow! Home run! Dans la montagne. Par contre. Home run. Oui, peut-être. Oui, Bien joué. magnifique. Magnifique. Si c'est pas magnifique. Regardez ça. Ouais. Alors lui, il est complètement bourré.
Allez, c'est pire que les deux autres. Lui, il tient plus debout, limite. Ouh. J'ai trop de... Oh. Eh. Wow. Et on est déjà à 20 minutes. Ok, Michel. Il est où le prochain rivage? Il est où le... Ah oui, alors je dois l'envoyer ici. Ok, ok, ok. Pourquoi? Tu m'expliques pourquoi il y a un taudis ici? Je veux que oh. Recruter des soldats et ok. Les affronter cette piteuse armée. Oh. Oh. Il se prend pas. J'ai foutu le tonneau. J'ai foutu le tonneau en l'air, je crois. J'ai foutu le tonneau en l'air. Fail. Oh, bah là aussi. Fail. Fail, fail. Oui. Oh, wow. Bon, alors là, mais... Évidemment, le dernier, c'est le plus chaud. Alors, écoutez, on va le faire en plusieurs fois. Non. Oh. Par contre, c'est très chaud de mesurer sa force. Alors, on va réessayer. Ouais, 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 ça me semble bien. Nickel. Parfait. Et ma ville pendant ce temps est en train de... Quoi? Ah, je dois le faire en une fois? Non, t'es pas sérieux là. Oh. Pitié. Oh. Bon, écoutez. je la terminerai plus tard cette mission parce que là on est déjà à 21 minutes. Enfin, vous avez compris le système. Parce que là. Ma ville. Putain, il y a eu un énorme combat. Il y a la moitié qui sont morts. Ah, allez, vas-y. Est-ce que je peux faire un sacrifice de mort? Ce serait bien. Ah non, je peux pas. Oh, c'est dommage. Je vais soigner juste mes types. Voilà. Ça me fait du bien. Mais non! Mais je veux pas être bon! Non. Désolé, mais je suis obligé. Hein. C'est pour le bien de la communauté. Sacrifice. Sacrifice. Et à la torture. Ah, ah. Ah là là. Est-ce que j'ai une flamme? Toujours pas! Un enfant! Flamme! Voilà! Je veux une flamme! Je veux vous quitter sur une flamme, désolé, mais tu es parfaite pour ça. Voilà, j'ai une flamme! Bon, allez, les amis, je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve dans le prochain épisode de Black and White 2. Ne le manquez pas. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la, et bien sûr, abonnez-vous pour voir la suite. Allez, salut à tous!